l'État s'est doté d'un Conseil national du numérique, que vous avez aussi co-dirigé durant un laps de temps. Quelle est la mission de ce Conseil, de ce CNN ? Alors, le Conseil national du numérique était historiquement une entité indépendante qui servait à éclairer le gouvernement sur des sujets liés au numérique. Et donc, moi, j'ai participé au Conseil national du numérique à partir de 2013, donc à la seconde génération, parce qu'il avait été créé par Nicolas Sarkozy. Le premier président était Gilles Babinet, que vous avez eu en MOOC récemment aussi. Il fonctionne sous un mode de saisine, c'est-à-dire que les ministres peuvent saisir le Conseil national du numérique pour travailler sur un sujet donné. Et donc, on avait beaucoup travaillé dans le premier conseil qui a été présidé par Benoît Thuelin, auquel j'ai participé. Par exemple, à des sujets comme l'éducation. Comment est-ce qu'on doit revoir la stratégie de l'éducation en France pour l'adapter aux transformations numériques? Il y avait des sujets sur la santé, comment on doit transformer le modèle de santé, sur la fiscalité, auquel j'avais participé, etc. Sous la présidence de Mounir Majoubi, il y avait eu une grande saisine sur la partie PME. Transformation numérique des PME, et c'est un modèle aussi d'autosaisine, c'est-à-dire que le conseil pouvait lui-même se saisir de sujets dont il pensait qu'ils étaient importants, même si ce n'avait pas été guidé par une mission gouvernementale, en tout cas par une saisine gouvernementale. Et c'est à ce titre-là, par exemple, qu'on s'était élevé sur le fichier TESS pour préserver les libertés individuelles, etc. Donc ça, c'est la mission du Conseil, c'est vraiment d'éclairer sous forme de creuser certains sujets grâce à une expertise numérique, sachant que ce Conseil est composé de 30 membres qui viennent à la fois de la société civile, à la fois de la société académique, enfin de pas scientifique, mais académique au sens large, et de la société économique, en fait, donc l'économie, la recherche et la société civile qui travaillent ensemble sur des différentes thématiques comme ça. Et moi, quand j'avais pris la présidence, c'était sous un format un peu différent puisque j'avais proposé un projet qui s'appelait Penser Demain et dont l'objectif était d'arriver à créer une vision globale de la société que l'on voulait et vers laquelle on voulait, qu'on voulait construire ensemble à l'ère du numérique. La raison étant qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'imaginaire collectif sur la société dans laquelle on veut vivre une fois qu'on aura intégré tous les usages numériques. Et au contraire, demain fait peur. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une crainte que l'intelligence artificielle prenne les emplois, une crainte du réchauffement climatique. Donc il y a de la peur du futur. Nous n'avons pas de futur désirable. Nous n'avons pas construit d'image du monde dans lequel on voudrait vivre et qui intégrerait toutes les potentialités du numérique et qui permettrait de résoudre les problèmes auxquels on est confronté en tant qu'humanité. Ces problèmes-là, comme le réchauffement climatique, sont des enjeux auxquels on n'a jamais dû faire face en tant qu'espèce, qu'il faut absolument régler. Et le numérique me paraissait un des moyens, une des causes, mais aussi un des moyens qui aurait pu nous permettre d'y répondre mieux. Et pour arriver à créer cette vision globale-là, d'un futur désirable à l'ère du numérique, eh bien, le projet était d'inclure des gens qui n'étaient pas experts du numérique. Parce qu'il faut pouvoir, si on veut construire absolument cette vision-là, intégrer les différentes facettes de la vie. Donc, il y avait une agricultrice qui faisait de la permaculture et qui était très étonnée qu'on l'appelle pour faire partie du Conseil national du numérique. Il y avait un docteur de Nancy, il y avait des gens aussi qui venaient des parties les plus exclues aujourd'hui du numérique, donc des populations les plus socialement défavorisées. Et donc l'objectif de ce projet-là était vraiment d'essayer d'inclure toutes les voix de manière à ce qu'on puisse construire cette vision-là parce que c'est en confrontant les visions, en confrontant les cultures, en confrontant les expertises qui aujourd'hui façonnent la France, qu'il me semblait qu'on pouvait arriver à créer cette vision d'un demain désirable. Alors vous évoquiez tout à l'heure le CAC 40, donc la France, plus largement l'Europe, Google, les États-Unis, Alibaba,
Et cette montée en puissance de la data, notamment en Chine, ce qui nous donne les zones géographiques du monde, je pense que vous regardez essentiellement. Est-ce que vous pensez que l'Europe peut jouer un rôle plus important qu'il n'y paraît? Je pense notamment au RGPD récemment, qui finalement fait un peu jurisprudence. En fait, vous avez parfaitement raison. Je pense que l'une des choses que l'Europe a et que personne d'autre n'a dans le monde, c'est qu'elle regroupe 27 pays. Donc, quand l'Europe dit et se met d'accord sur un nouveau type de réglementation qui sont liées au numérique, bah quelque part, ça fait un peu jurisprudence parce que s'il y a 27 pays. Alors que si les États-Unis disent quelque chose ou si la Chine dit quelque chose, il n'y a pas finalement de consensus international possible parce que c'est juste une seule entité qui arrive. Il n'y a pas eu de fédération de pays, en fait. Donc, ce qui est extrêmement important et l'une des opportunités que l'Europe a aujourd'hui, c'est que ce qu'on voit assez peu, c'est que les enjeux écologiques et les enjeux numériques auxquels on fait face nécessitent une gouvernance internationale. Les deux aspects. L'une des grandes caractéristiques du numérique, c'est que ça abolit les frontières, beaucoup en tout cas, et c'est ce qui fait qu'il y a une accélération économique, hein, c'est qu'on peut aller à partir du numérique vendre ses produits partout dans le monde. C'est que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le principal concurrent de Taxi G7 à Paris, eh bien, c'est une société qui est basée à San Francisco qui s'appelle Uber. Et ça, ce type de situation est nouvelle et est très liée au numérique, et ça nécessite des instances et des réglementations qui sont internationales. Il suffit de parler en fait d'éthique, par exemple, hein, de se dire, on avait dans tous les livres de science-fiction d'Asimov dans les années 50 cette idée qu'il y avait des lois de la robotique. Un robot ne fera jamais de mal à un homme. Ce genre de choses, ou à une femme, enfin un homme au sens anthropologique du terme. Ces règles-là n'existent pas dans le monde. Elles sont localisées et on aurait besoin, sur les datas, sur l'usage qu'on fait, à l'ère où on voit à quel point les algorithmes peuvent être fragilisés des démocraties, à l'ère où on voit la puissance de la technologie dans des drones qui, effectivement, pourraient tuer des gens, se mettre d'accord sur une espèce de réglementation internationale, sur un cadre éthique à minima de ce qu'on peut faire et de ce qu'on autorise la technologie à faire. Et ça aussi d'un point de vue écologique. Et il n'y a pas aujourd'hui d'instance internationale qui soit légitime pour le faire. Et l'Europe aujourd'hui est pour moi le seul endroit où on peut commencer à faire ça parce qu'on a justement cette base de 27 pays qui peut faire jurisprudence. Alors vous évoquez les grandes puissances dont l'Europe et son rôle à jouer. On peut aussi, à l'inverse, évoquer les citoyens, et donc ce terme que vous appréciez aussi, qui est la multitude, et qui fait que tout devient possible, toutes et tous ensemble, et on le voit aussi politiquement aujourd'hui, avec les médias sociaux. Sans cette multitude, finalement, aujourd'hui, la politique française serait très différente. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit... à la fois, je vous parlais d'un besoin finalement d'un cadre éthique international, mais à la fois, on ne peut pas centraliser à ce niveau-là en fait. Et donc, il doit être vraiment sur des principes d'un type droit de l'homme en fait. Il y a un droit des machines, un droit de l'homme, un droit de la planète, ce genre de principes. Mais tout ce qui est régulation, tout ce qui est initiative citoyenne, pour moi, ce que je vois émerger, c'est le local. Mais beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que la multitude, je la vois par grappe locale, en fait, partout dans le monde. Et ce qui est, à mon avis, un bon exemple de ça, c'est que quand Trump est sorti des accords de Paris sur l'écologie, eh bien, il y a des villes américaines et des États américains qui ont dit non, 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 nous, on va signer pour notre ville. Pour notre État, on veut respecter ces accords-là. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est une espèce de responsabilité citoyenne qui émerge au niveau local et qui, finalement, essaye de repositionner
et de créer des multitudes, de créer une communauté locale qui utilise les outils numériques, qui se regroupe avec d'autres entités ailleurs dans le monde, par exemple, toutes les communautés d'activistes sur Internet, finalement, elles sont internationales aussi, mais c'est des communautés locales à chaque fois. Donc, c'est très intéressant de voir, finalement, comment les démocraties vont se reconstituer avec une remise en question, finalement, de cette idée que l'international, c'est une somme d'États et qui est très centralisée après sur un pays. Moi, mon sentiment, c'est qu'on va vers un monde où il y a un besoin de responsabilité citoyenne locale, de pouvoirs locaux, qui est nécessité aussi par le fait que la vie en ville n'est pas du tout la même vie qu'à la campagne. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir une politique centralisée? Donc, et on a besoin de rendre les gens acteurs de leur vie. Et pour ça, cette multitude-là est une multitude qui va s'engager, qui va être en responsabilité, qui va demander des comptes à la fois à l'État, mais aussi aux entreprises. Il y a des start-up très intéressantes qui pour moi, vont avoir un impact quasiment de plus en plus fort sur la manière dont les entreprises se comportent vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des normes sanitaires, etc., qui sont des startups comme Yuka, par exemple, où avant d'acheter un produit, on scanne pour voir s'il est bon pour sa santé, s'il contient des additifs, etc. On pourrait avoir la même chose sur des produits, est-ce qu'ils proviennent d'entreprises qui ont un impact environnemental positif ou le moins négatif possible. Donc, je vois un activisme citoyen, avec des citoyens qui ont compris que leur premier pouvoir, c'était leur pouvoir d'achat, et qui vont l'orienter vers des choses qui, pour eux, sont en train de façonner un monde qui soit meilleur, en fait. Donc, ce que je dirais, juste pour résumer, c'est qu'on a une émergence d'actions locales et qui se résonne partout dans le monde et qui crée un type de multitude qui n'est pas une multitude top-down, mais qui est une multitude par grappe où les gens vont se réunir autour de causes et essayer d'œuvrer localement aussi.